départ de la sixième épreuve. Alors, bon départ pour Trojan Quest, Master J. Nicholson également bien parti avec Captain Garrett. Puis on retrouve Master of All I Survey. Il y a Tildorn et le quartier. À l'avant, donc, il y a le cheval de l'écurie Gajada, Master J, le favori, qui ne laisse le soin à personne de diriger le train avec Trojan Quest. Ensuite, on retrouve Nicholson en quatrième position. Il y a Captain Garrett devant lui à l'intérieur. Puis Desert Illusion, Master of All I Survey, le quartier et finalement Tildorn avec Master J maintenant sous la menace de Captain Garrett, Trojan Quest. Nicholson va se rapprocher également en pleine ligne droite avec Nicholson qui arrive à l'intérieur. Master J a toujours l'avantage. Master J, Captain Garrett, Master J, Captain Garrett, Master J, Captain Garrett, Captain Garrett devant Master J, Nicholson. Ensuite Desert Illusion, Captain Garrett sous la selle de Nishaltia. Bon second pour sa dernière sortie 2020. Et là, elle n'a eu qu'à suivre donc à l'intérieur de Master J sur tout le parcours pour placer son attaque au beau milieu de la piste et s'imposer donc Captain Garrett pour offrir le doublé à l'écurie Gilbert Rousset et à Nishaltia. Oui, Captain Garrett, Nishaltia. Pravesh Auril sur Nichols Inn, je pense qu'il aurait dû jeter un coup d'œil derrière lui parce qu'il y avait également Desert Illusion qui arrivait sous la monte de Robbie Bigari, heureusement sans conséquence, mais il n'avait pas assez d'espace derrière Desert Illusion également, Robbie Bigari. Bon, il faut faire attention, surtout quand on est derrière, on a une meilleure vue. Si on a 990 mètres, ça va vite. Il faudra également prendre des précautions.